Young Cameroonian from north to south, from east to west, on the feast day and all around our values. Prenons le bilinguisme, la paix, le multiculturalisme, gage d'un Cameroun émergent et indivisible. Le vivre ensemble, dans la tolérance, la justice et le patriotisme. Each instant in the edifice of our country, meet the challenges in unity. Living together, consolidate national integration. Bâtissons une nation dans un franc dialogue pour un Cameroun fort dans sa diversité. Le vivre ensemble, dans la tolérance, la justice et le patriotisme. Each instant in the edifice of our country, meet the challenges in unity. Living together, consolidate national integration. Bâtissons une nation dans un franc dialogue pour un Cameroun fort dans sa diversité. Chers frères et sœurs, chers camarades, à l'aube de la fête nationale de la jeunesse, nous nous rassemblons non seulement pour célébrer la fête de la jeunesse camerounaise, mais aussi pour réfléchir sur notre passé, affronter les défis présents et sculpter le futur de notre cher Cameroun. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un cœur rempli d'espoir, de fierté et d'une conviction profonde en la force et le potentiel extraordinaire que chacun de vous porte en lui. Dans ce contexte délicat où la jeunesse camerounaise est confrontée à des épreuves sans précédent, chômage, banditisme, prostitution et la tentation de la facilité, je tiens à vous rappeler que ces défis ne définissent pas notre destin. Au lieu de cela, ils servent de tremplin vers la grandeur, la résilience et la victoire. Nous sommes les héritiers d'une histoire riche, marquée par le courage de ceux qui ont versé leur sang pour nous léguer ce magnifique pays, l'Afrique en miniature. Pensons à nos héros, à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'unité de notre nation. Douala Mangabel, Gosodine, Ruben Oumniobé, Détoumaza, Enes Wandje, Félix Roland Momieux, leurs noms résonnent comme les étoiles qui guident notre chemin. Leurs sacrifices ne sont pas tombés dans l'oubli, mais ont allumé la flamme qui brûle en nous aujourd'hui. Nous devons les honorer en embrassant leur héritage, en nous inspirant de leur détermination et en œuvrant pour une nation plus juste et prospère. Nous sommes conscients que notre système éducatif est actuellement en déclin, ne formant plus les valeurs essentielles pour forger des citoyens responsables et visionnaires. Cependant, ne perdons pas espoir. Au contraire, considérons cela comme une opportunité de réinventer notre destinée. Il est temps de changer de paradigme, de redéfinir l'éducation en nous formant dans des secteurs cruciaux pour notre développement. L'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, les bâtiments et travaux publics, la banque et la finance, le commerce électronique, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie, la médecine, l'hôtellerie, la pisciculture. Voilà quelques domaines où nous devons investir notre énergie et nos aspirations. Ces secteurs sont les piliers qui soutiendront le futur de notre nation et offriront des opportunités d'emploi et d'innovation pour chacun d'entre nous. L'entrepreneuriat doit être notre cri de ralliement. Prenons l'exemple d'un jeune qui se lance dans une activité avec la modeste somme de 500 000 francs CFA comme capital. Celui-ci peut gagner modestement sa vie si, avec courage et détermination, il parvient à gagner minimum 5 000 francs CFA par jour. C'est la preuve que l'on peut commencer petit et devenir grand. L'entrepreneuriat n'est pas seulement une voie vers le succès financier, mais aussi un moyen de contribuer au développement de notre communauté,
de créer des emplois et d'inspirer les générations futures. Chers camarades, rappelez-vous toujours que chaque grand homme et femme a débuté par des modestes débuts. Le chemin vers le succès est pavé de détermination, de travail acharné et de foi en soi-même. Nous sommes les artisans de notre destin et notre succès repose sur notre engagement à relever les défis qui se dressent devant nous. Chers frères, chers sœurs, je vous exhorte à croire en l'immense potentiel de notre cher Cameroun. Ne perdons jamais espoir de vue l'horizon radieux qui nous attend. Croyons en notre capacité collective à surmonter les obstacles et à bâtir un avenir glorieux. Ensemble, nous sommes la force qui transformera notre nation. En conclusion, que résonnent les chants de la jeunesse camerounaise, unis dans l'espoir, la foi et la détermination. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun, ensemble, nous sommes indomptables. Young Cameroonian from north to south, from east to west, on divise the end, all around our values. Prenons le bilinguisme, la belle, le multiculturalisme, gage d'un Cameroun émergent et indivisible. Le vivre ensemble, dans la tolérance, la justice et le patriotisme. Each instant in the edifice of our country, meet the challenges in unity. Living together, consolidated national integration. Bâtissons une nation dans un franc dialogue pour un Cameroun fort dans sa diversité. Le vivre ensemble, dans la tolérance, la justice et le patriotisme. Each instant in the edifice of our country, meet the challenges in unity. Living together, consolidate national integration. Bâtissons une nation dans un franc dialogue pour un Cameroun fort dans sa diversité.